La célébration de l'an 1 du retour de Charles Blégoudé en Côte d'Ivoire a été avortée. La sécurité et le bien-être des Ivoiriens sont les raisons évoquées par les autorités sécuritaires du pays, selon ce qu'a laissé entendre le président du COGEP. Selon les autorités, elle dit sécuritaires de notre pays, la manifestation des célébrations de l'an 1 de mon retour en Côte d'Ivoire le dimanche ne peut avoir lieu. Pour des raisons, disent-ils, sécuritaires. Et que le risque est trop élevé pour les Ivoiriens dans cette période et selon les informations qu'ils ont, ça et là, ils ne veulent pas prendre le risque. Au cas où cette mesure vient à déplaire à ses militants et partisans, Charles Blégoudé les encourage au strict respect de cette décision. Je dis toujours qu'un jour, je vais diriger ce pays. Ce jour-là, quand moi aussi je prendrai des décisions, je n'accepterai pas qu'on les conteste de cette manière. Surtout que j'en mets la sécurité de mes concitoyens. Quand tu es sûr que dans 2-3 jours ou dans une semaine, tu vas prendre un bébé sur ta poitrine, évite de le jeter dans la boue. Sinon, il va te salir après. Revenu en Côte d'Ivoire en novembre 2022, Charles Blégoudé est réélu président du COGEP à l'issue d'un congrès que sa formation politique a tenu à Abidjan les 24 et 25 novembre 2023.